Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. L'Union européenne décidée à accompagner le gouvernement burkinabé pour faire face à la détérioration de ses recettes d'exportation. Un accord a été signé hier pour un appui de plus de 5 milliards de francs CFA au Burkina. La campagne électorale en vue de la présidentielle anticipée au Venezuela est ouverte depuis hier. Les deux principaux candidats, Nicolas Maduro et Enrique Capriles, ont décidé de ne se faire aucun cadeau pour s'attirer les faveurs des électeurs. Le Burkina se dote d'un nouveau code de l'environnement. Les députés ont adopté hier à l'unanimité un projet de loi portant code de l'environnement. Ce texte de loi, qui constitue une loi cadre en matière d'environnement, vise essentiellement à assainir le cadre de vie des populations et à préserver l'environnement pour les générations présentes et futures. Reportage Anna Lucikiri. L'un après l'autre, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable et de nombreux députés se sont succédés pour soutenir tous que l'environnement est un patrimoine commun qu'il faut protéger et préserver. Les élus nationaux ont poursuivi en saluant l'élaboration du projet de loi portant code de l'environnement au Burkina Faso. Ce texte de loi vient combler les insuffisances du code de l'environnement de 1997. Subdivisé en 148 articles, il tient compte de nouvelles dispositions tels que les changements climatiques, inclut des principes de prévention, de pollueur ou de préleveur-payeur et prévoit des sanctions. Quand il y a des sanctions, il faut les prendre. Quand il y a des demandeurs qui veulent installer des usines, que les cahiers des charges pour lesquels ils se sont engagés à respecter, qu'ils puissent les respecter. Et s'ils ne les respectent pas, que le gouvernement prenne des mesures et surtout informe l'opinion nationale. C'est à l'unanimité que les députés, toutes tendances politiques confondues, ont adopté le présent projet de loi soumis à leurs sanctions. Dans nos concessions, dans nos voisinages, tout le monde est touché par tout ce qui touche l'environnement. Donc nous avons intérêt tous, puisqu'on dit même que la survie de l'environnement dépendra de notre capacité à gérer donc les questions environnementales. Donc je pense qu'avec la sensibilisation, l'information, les gens seront beaucoup plus portés à assainir leur environnement, leur cadre de vie. Si on nous dit demain, dans deux semaines, sortir un texte, là, nous avons deux propositions. La première proposition, c'est l'interdiction pure et simple de l'importation de la production des sachets noirs, de toutes formes de sachets au Burkina Faso. Parce que l'impact de ces sachets est catastrophique. 30% de la mortalité au niveau du bétail est due aux sachets noirs. Quand vous voyez nos caniveaux sont bouchés de sachets, ou bien on interdit strictement ça, ou bien, comme on l'a proposé aussi, second volet, si on ne veut pas l'interdire, on impose, on taxe les producteurs, importateurs du sucre de sachets noirs. Les fonds qui vont être collectés, selon le ministre en charge du développement durable, permettront la mise en place d'un projet de gestion des déchets solides et principalement des sachets qui pourra aboutir à terme à la production d'emballages biodégradables. Le ministre s'est en outre engagé à faire en sorte que tous les acteurs aient une connaissance du nouveau code de l'environnement. L'Union européenne et le Burkina ont signé hier un accord de financement d'environ 6 milliards de francs CFA. Le Burkina bénéficie ainsi du soutien de l'UE pour faire face à l'instabilité des recettes d'exportation. La signature de cet avenant traduit une fois de plus l'excellence des relations entre notre pays et ses partenaires internationaux. Yolande Lompo. À travers la signature de l'avenant numéro 8 au document de stratégie pays et au programme indicatif national pour la période 2008-2013, l'Union européenne met à la disposition du Burkina Faso plus de 5,8 milliards de francs CFA au titre des fluctuations à court terme des recettes d'exportation FLEX. Une aide supplémentaire qui vise à atténuer les efforts négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation pour le développement du Burkina Faso. Lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, notamment la crise, cette enveloppe permet de pouvoir venir à notre secours. En plus, bien sûr, la programmation normale habituelle. Dans les mécanismes qui sont prévus, l'Union européenne permet de pouvoir, en quelque sorte, compenser cette perte de recettes pour pouvoir nous permettre de préserver notre capacité de financement de l'économie. Destiné à couvrir les besoins imprévus, cet avenant porte donc à 37 milliards de francs CFA, le total de l'enveloppe B. Et associé à l'enveloppe programmable A, l'engagement de l'Union européenne pour le seul 10e Fonds européen de développement est désormais à plus de 467 milliards de francs CFA. C'est à la fois la reconnaissance politique, une confiance dans la capacité au pays à mener à bien sa stratégie de croissance. Et c'est aussi la constatation qu'il faut
compenser quand le pays peut rencontrer des difficultés particulières, comme ça a été le cas, par ce mécanisme de soutien. En juillet 2011, le gouvernement du Burkina Faso a adopté une stratégie nationale de promotion des exportations visant à lui permettre de réduire à terme sa dépendance à l'égard du coton et de l'or notamment. Et le présent avenant va lui permettre de consolider ce qu'il a déjà entamé tout en continuant de financer le développement et les secteurs sociaux qui sont porteurs de croissance. L'université de Kourougou a un nouveau président. Le professeur Gérard Segeda, paré de ses habits neufs de député, a cédé son fauteuil de président de l'UQA hier au professeur Georges Savadogo. La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans une ambiance fort détendue et une grande mobilisation de la communauté universitaire. Tanga Kafando. Les 500 places de cet amphithéâtre de l'université de Kourougou n'ont pas suffi pour accueillir le monde universitaire à cette cérémonie de passation de service. Le professeur Georges Savadogo prend la présidence de l'université. Nommé le 6 mars 2013 en conseil des ministres, il remplace le professeur Gérard Segeda, élu député le 2 décembre 2012. Entre autres défis, le nouveau président aura à définir, élaborer et mettre en œuvre une politique de développement de l'université, augmenter l'offre éducative, rendre effective l'éducation à distance, conduire à terme le système LMD, développer des filières professionnalisantes et veiller au respect des franchises universitaires. Des défis grands certes, mais pas insurmontables, selon le nouveau manager. Si tous les acteurs, les enseignants, les étudiants, les personnes ATOS, si tous les acteurs se concertent de façon permanente, je crois qu'on peut véritablement relever beaucoup de défis. Le président sortant, professeur député Gérard Segeda, s'en va avec le sentiment d'un devoir accompli. Lui qui a piloté les études ayant conduit à la création de l'université de Kourougou en 2005. L'université de Kourougou a pu mettre à la disposition du monde de l'emploi plus de 8000 diplômés. Tout grade confondu. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs est venu féliciter le président sortant pour le travail abattu et prodiguer des conseils au nouveau président. Créé en 2005 avec 1265 étudiants et élèves stagiaires, l'université de Kourougou compte aujourd'hui près de 10 000 étudiants et élèves stagiaires répartis dans 4 départements. Tenkodogo a abrité le premier conseil d'administration du secteur ministériel CASEM du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Au cours de ces assises, les participants ont examiné et validé les projets et programmes du département pour l'année 2013, la principale préoccupation étant le renforcement des capacités en matière de recherche et d'innovation. Reportage Adama Koulibaly. Les responsables des structures centrales et rattachées du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation se sont retrouvés les 28 et 29 mars dernier à Tenkodogo pour l'examen et la validation de leur programme d'activité de l'année 2013 organisé autour de points suivants. La dotation du ministère d'un cadre juridique convenable. À cela, nous sommes en train de travailler pour doter justement le ministère d'une loi d'orientation de la recherche nationale. Il y a également une stratégie sur la valorisation des résultats de la recherche qui a déjà été adoptée. Nous travaillons sur une stratégie maintenant pour la question de l'innovation. Il y a en outre le projet de renforcement des capacités en matière de recherche et d'innovation et la gouvernance dans le secteur de la recherche pour sa pleine participation au développement socio-économique du Burkina Faso. La 4e édition des Journées communautaires pour le développement et l'intégration des peuples s'est déroulée la semaine dernière à Kourougou dans le Boulkiemdé. L'initiative était de l'association Culture sans frontières et visait à promouvoir l'intégration des communautés par la culture de la paix. Défilés, expositions et allocutions ont permis aux participants de perpétuer le brassage des peuples. Abdoul Rasmane Zongo. Pour la 4e fois consécutive, l'association Culture sans frontières tient son pari. Le pari organisationnel de journées communautaires pour le développement et de l'intégration des peuples. Public des grands jours, sommités coutumières, religieuses, administratives, entre autres, étaient présents à la cérémonie. Une cérémonie ponctuée d'abord par une parade avec la participation d'une délégation taïwanaise, des communautés africaines et nationales.
le thème de l'édition 4 est relatif aux violences faites aux femmes. Aussi, un accent particulier a été mis sur la culture de la paix et la promotion de l'intégration. Permettez-moi de vous traduire le souhait des femmes ici présentes à travers ma modeste voix ce matin. Si j'étais un homme, je ne frapperais plus une femme pour montrer que je suis le plus fort. Si j'étais un homme, je ne permettrais pas qu'on excise une fille de ma cour et des cours voisines. Si j'étais un homme, le planning familial serait la feuille de route de ma vie. Nous, premiers responsables des différentes communautés, ne peuvent que saluer à sa juste valeur cette initiative citoyenne très noble qui vise à renforcer la coexistence pacifique entre nous, membres des communautés. La visite de stand d'exposition de la foire de l'intégration et la distinction de partenaires et personnalités ont clos l'événement avec en prime la remise de la médaille de chevalier de l'ordre de mérite burkinabé à l'association Culture sans frontières. La valse à la tête des mairies se poursuit aux quatre coins du Burkina. Un nouveau maire, Haruna Welgo, a pris les clés de la mairie de Tenkorogo en remplacement d'Alassane Zakane, qui a passé 15 ans à la tête de cette commune. Autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses se sont mobilisées à l'occasion de cette installation. Reportage Sylvain Vebamba. Par ce geste, l'expert géomètre de formation Haruna Welgo, élu conseiller du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et porté par le conseil municipal de Tenkodogo à la tête de la municipalité de la dite ville pour les 5 années à venir, a été officiellement installé dans ses fonctions. Un mandat placé sous le signe du travail pour relever de nombreux défis. Les populations ont besoin de nous et nous allons tout mettre en œuvre avec les fils et filles de la commune de Tenkodogo pour réaliser les grands projets pour cette ville et au profit des populations. Il faut que nous prenions des délibérations capables de réguler un peu moins les accidents dans la ville. Deuxièmement, nous avons effectivement le problème d'eau dans la ville. Et c'est un problème très criant pour notre ville. Nous avons actuellement des petits problèmes d'électricité. Ça, c'est des contrats que nous allons prendre au haut niveau pour pouvoir résoudre effectivement ce problème d'électricité dans la ville de Tenkodogo. Le maire entrant peut être sûr du soutien de son prédécesseur et responsable du parti dans la localité. Étant dit que le conseil municipal est en majorité le CDP, bon, naturellement, je ne peux être qu'un soutien fort pour le maire entrant. Pour réussir son action à la tête de la commune de Tenkodogo, le nouveau maire aura besoin de la cohésion et de l'unité des fils et filles de la municipalité, foi de son parrain. Nous devons garder cet esprit. C'est un esprit très fort de cohésion, d'unité, d'action. Et parce qu'on ne peut pas développer une commune sans qu'il y ait une unité. Le maire Welgo est conscient que les attentes des populations des 6 secteurs et des 92 villages de la commune de Tenkodogo s'articulent autour de la consolidation des acquis et du renforcement des capacités des jeunes et des femmes, de la densification du tissu économique et de l'élargissement des besoins sociaux. Toujours dans cette région, le nouveau maire de Puitenga a été installé hier. Jean-Baptiste Compaoré, qui dirige un conseil municipal de 49 conseillers, a promis de travailler à unir les fils et filles de Puitenga pour bâtir ensemble une commune émergente. Reportage à Puitenga, Yakuba Goro. Un jour nouveau pour la commune de Puitenga et ses milliers d'habitants. Aujourd'hui, avec l'installation du maire Jean-Baptiste Kabore, cette population caresse le secret espoir de se voir unir autour d'une même vision. Conduire la ville de Puitenga sur le chemin de l'émergence. Et j'attends de lui quelqu'un qui va vraiment être un rassembleur. Parce que vous savez que Puitenga, dans sa diversité, connaît beaucoup de difficultés. Un discours rassembleur, c'est ce qu'il faut pour tourner la page triste qu'a connue la ville et entamer ensemble les grands chantiers du développement. Et le maire, écharpe autour de sa ceinture, est conscient de cette nouvelle responsabilité. Un problème d'eau qui se pose, ça c'est presque matériel. Et que incessamment, avec l'appui des autorités, il faut régler cela. Mais ce qui peut être dit également de façon structurelle,
Et de façon primordiale, il y a la question, la cohésion sociale à Puitenga. Maintenant installé, Jean-Baptiste Kabouré va devoir se mettre au travail avec ses 49 conseillers et les filles et fils de la commune. Il doit être le maire des 5 communes et des 17 villages de Puitenga. Et il doit travailler en synergie avec les fils et les filles de Puitenga, les personnes reçues de Puitenga et de Puitenga notamment, pour qu'à l'heure du bilan, on puisse dire, M. Jean-Baptiste Kabouré et son équipe, voilà le bilan qu'il laisse, un bilan positif. Cette cérémonie officielle d'installation vient mettre fin à une délégation spéciale mise en place depuis février 2012 pour assurer l'intérim du maire déchu. Voilà, le maire de Puitenga s'appelle bien Jean-Baptiste Kabouré. Les initiatives se multiplient en faveur des réfugiés maliens vivant sur le site de Mentao dans le Soum. Des associations islamiques de la région interpellées par la fondation Abdallah Ben Massoud ont fait un don aux populations déplacées pour leur apporter un peu de réconfort et leur manifester leur solidarité. Reportage Nathalie Savadogo. Des vivres, des vêtements, des médicaments et du bétail d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA, ce sont là les cadeaux qu'offre la fondation Abdallah Ben Massoud aux réfugiés maliens du site Mentao Sud-Sud. C'est grâce à l'appui financier de la Fondation mondiale et des associations islamiques locales que nous avons pu faire ce don aux réfugiés. Nous voulons par là soutenir l'État burkinabé dans sa lourde tâche de secours aux réfugiés maliens. De l'avis du représentant des réfugiés, ce geste va contribuer à soulager un grand nombre de personnes. Nous sommes là sur la promesse en train de la distribuer. Nous l'avons entre nos mains et nous ne pouvons que les remercier et les relancer encore à apporter nos doléances partout où il y a des donateurs et à penser à nous toujours pour améliorer nos conditions de vie. La fondation Abdallah Ben Massoud n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet renouveler cette action. Quant au représentant du HCR, il a loué l'axe salvateur de la fondation. Sa structure va effectuer le suivi post-distribution pour s'assurer que chaque famille va recevoir.